Bonjour, chers internautes de Marketing TV Monde. Monsieur Ibrahim Agueï pour vous servir pour discuter comme prévu du thème portant sur le comportement d'achat des consommateurs. Vous allez sans doute me demander pourquoi ce thème. Quelle importance ça peut avoir pour le consommateur ainsi que pour les entreprises, pour les organisations dans leur généralité? Qu'est-ce que le comportement du consommateur? Quels sont les éléments qui impactent le comportement des consommateurs? Voici un ensemble de problématiques que nous allons essayer de résoudre durant cette présentation. Comme indiqué tantôt, quelles sont les problématiques que nous allons essayer de résoudre durant cette présente présentation? Nous allons essayer de voir en quoi les caractéristiques des consommateurs influencent-elles leur comportement d'achat? Quel processus psychologique influence leur réaction aux opérations marketing? Et comment les responsables marketing prennent-ils leurs décisions d'achat? Mais pourquoi donner autant d'importance à ce thème? Je pense que la réponse va se trouver dans la raison d'être même du marketing. Où le marketing se veut comme une discipline qui cherche avant tout à satisfaire les besoins de la clientèle, mais aussi à faire générer du profit. Dans ce cas, il est important de connaître le consommateur, il est important de connaître quelles sont les variables qui influencent le consommateur, il est important de voir comment nous, marketeurs, nous pouvons influencer ce processus de décision du consommateur. Fort de cela, nous allons essayer de voir, durant ces temps passés ensemble, merci Monsieur Ibrahima Diallo et bienvenue. Nous allons essayer de voir ensemble quels sont les facteurs individuels qui influencent le comportement d'achat du consommateur. Quand je parle de facteurs individuels, il s'agit avant tout de quoi? Il s'agit avant tout de intrinsèques qui influencent le comportement d'achat du consommateur. Monsieur Khalifa Diaby, nous vous saluons et vous souhaitons le bienvenu. Mis à part ces facteurs individuels que nous citerons bien sûr en essayant d'expliquer ces facteurs, nous parlons aussi des facteurs environnementaux qui influencent ce comportement d'achat des consommateurs. En dernier lieu, nous verrons quel est le processus du comportement d'achat du consommateur, ça veut dire quel est le processus d'achat d'un consommateur. Depuis la détermination du besoin ou du problème, jusqu'à son sentiment post-achat. Nous verrons aussi qu'il existera des différences entre cette étude en B2B comme en B2C. Qu'est-ce que le B2B et qu'est-ce que le B2C? D'emblée, je pourrais venir sur ces deux éléments qui détermineront les deux types de consommateurs. Qu'est-ce que le B2B? Le B2B signifie business to business, ou toute activité commerciale effectuée entre deux entités morales. Une entreprise qui fait une activité commerciale avec une autre entreprise, là il s'agira du B2B. Nous parlons de B2C s'il s'agit d'une activité commerciale effectuée entre une entreprise et sa clientèle finale, ou business to customer. Customer, bien sûr, qui signifie la clientèle. Alors, comme indiqué tantôt, nous allons essayer de voir qu'est-ce que le comportement d'achat des consommateurs. Alors, l'étude du comportement d'achat des consommateurs n'est tout simplement autre que toute étude qui vise à analyser comment des individus et des groupes choisissent, achètent ou utilisent des biens et des services. Au passage, c'est quoi le bien et le service? Sachez que le bien et le service constituent le produit qu'achète le consommateur. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce bien et le service? Le bien est tout simplement toute entité palpable, tangible, qu'on peut toucher, stocker et qui sert à satisfaire un besoin. Le service, par contre, est intangible, soumis à aucun transfert de propriété,
indivisible, mais qui en même temps sert à satisfaire un besoin. Donc ça peut être un bien, des services, des idées ou des expériences afin de satisfaire leurs besoins ou désirs. Alors, ceci a toute son importance du moment où l'entreprise a bien besoin de connaître son consommateur. Des entreprises plus développées ont même eu à développer ce qu'on appelle cette notion d'étude shopper, qui signifie quoi? Qui signifie à déterminer des caractéristiques des consommateurs afin de pouvoir mieux les servir. Alors, nous allons essayer de voir, comme indiqué tantôt, dans un premier temps, quels sont les facteurs individuels comme environnementaux qui influencent le comportement d'achat du consommateur. Dans un premier temps, nous parlerons de quoi? Nous parlerons des facteurs individuels. Pour les facteurs individuels, nous avons avant tout les motivations, les freins, les perceptions, les croyances, les attitudes, la personnalité du consommateur, son style de vie, ainsi que les ressources individuelles qui restent intrinsèques au consommateur et qui fortement influencent son comportement. Comme indiqué tantôt, dans un premier temps, sur les facteurs individuels, nous avons quoi? Nous avons avant tout les motivations. Vous allez me dire, mais Michel, c'est quoi une motivation? Une motivation est toute force, consciente ou inconsciente, pouvant pousser un individu à effectuer un acte d'achat. Khalifa Diaby, nous vous saluons, ainsi que Ndiaye Hamidou et Abo Madiana Dian. Merci, Monsieur Abo. Merci, mon collègue. Merci. Un plaisir de vous revoir. Une motivation, dirais-je tantôt, reste une force, consciente ou inconsciente, pouvant pousser un individu à effectuer un acte d'achat. Alors, quels sont les types de motivations qui existent? On en a trois. Nous avons ce qu'on appelle les motivations hédonistes. Là, l'individu achète pour pouvoir se faire plaisir de par son acte d'achat. Nous avons ce qu'on appelle les motivations oblatives. Il arrive qu'on fasse des actes d'achat pour pouvoir satisfaire peut-être une autre marge de la population de par son acte d'achat. Je peux acheter un cadeau. Nous avons ce qu'on appelle les motivations d'auto-expression. Une motivation d'auto-expression cherche à s'auto-exprimer de par son comportement d'achat, de par sa consommation, pour faire simple. Michel Amadou Saou, bonjour aussi. Abdou Wahab Diallo, nous vous saluons. Jules Baba Sek me demande c'est quoi la différence entre un besoin et un désir. Merci Michel Sek. Je pense que je peux y revenir avant de continuer avec les explications référentes à la motivation. Michel Sek, sachez que le besoin ressenti par une personne nécessitant une réponse et le poussant à agir. J'ai besoin de manger. J'ai besoin de dormir. Et Abraham Maslow a bien spécifié dans sa pyramide de Maslow, nous allons y revenir tout à l'heure avec les deux études spécifiques pour les motivations, nous allons parler de la pyramide des besoins de Maslow. Nous avons donc le besoin qui se trouve comme un manque ressenti par une personne et qui le pousse à agir, reste un moyen spécifique de besoin. J'ai besoin de manger. M. Sek va directement, j'espère que M. Sek ne va rien me dire, mais j'ai besoin de manger. Je peux manger du yassa, du domada, du tchèbidjoun ou n'importe quel autre plat. Mais si mon besoin est associé à un produit spécifique, à un plat spécifique, là ça ne devient plus un besoin, ça devient un désir. J'ai besoin de me déplacer, je désire un avion. On peut même aller plus loin dans cette étude et parler de quoi? Et parler de préférence. J'ai besoin de me déplacer. Je désire une voiture, je désire telle marque, pour ne pas faire une publicité gratuite pour une marque
bien donné. Donc, le besoin reste en état de manque. Et sachez que nous, marketeurs, nous ne créons pas de besoin. Qu'est-ce que nous faisons? Merci, besoin de manger, c'est un besoin naturel. Merci, monsieur Abdel Latif, merci. Et nous y reviendrons tout à l'heure avec la pyramide des besoins d'Abraham Maslow. Merci, merci, monsieur. Bonne contribution. Donc, j'ai besoin de manger, mais je désire tel produit. Donc, le désir reste en soi un moyen privilégié pour satisfaire ce besoin. J'espère, monsieur Sec, que j'ai bien répondu à votre question. Vous pouvez toujours réagir si vous avez d'autres points d'incompréhension. Je reste à votre disponibilité. Disais-je tout à l'heure que la motivation reste une force consciente ou inconsciente pouvant pousser l'individu à agir. Et que nous avons trois types de motivation. Les motivations hédonistes, les motivations oblatives et les motivations d'auto-expression. Je les ai citées tout à l'heure. Dans cette notion de motivation, pour mieux l'étudier, nous allons voir ensemble deux théories. La théorie freudienne et la théorie d'Abraham Maslow. Abraham Maslow a pu hiérarchiser ses besoins. Hiérarchiser de par une pyramide, apparemment appelée pyramide des besoins d'Abraham Maslow, les besoins que peuvent exprimer l'individu. Au bas de cette pyramide, nous avons quoi? Nous avons les besoins physiologiques. Monsieur Mleck a si bien spécifié, le besoin de manger reste un besoin naturel. Je pense que ça se rattache aux besoins physiologiques, qui sont des besoins inhérents à la nature humaine et qui déterminent sa survie. Manger, dormir, boire, etc. Les besoins dont on ne peut se passer pour pouvoir rester en vie. À part ça, nous avons quoi? Maslow dit que si l'individu arrive à satisfaire ses besoins individuels, physiologiques, liés à sa survie, ce dernier va essayer de satisfaire ses besoins de sécurité, il va essayer de se sentir en sécurité. Après cela, un autre stade vient, les besoins d'appartenance. On se sent en sécurité, on cherche un groupe de référence. L'homme est par essence un être social et sociable. Forcément, il essaiera de s'identifier à un groupe de référence. Après cela, Maslow dit que l'individu cherchera forcément, à partir de ce groupe de référence, à s'estimer, à vouloir se faire estimer. Et après, au sommet de notre pyramide, nous avons quoi? Nous avons les besoins d'auto. Au sommet de notre pyramide, nous avons quoi? Nous avons les besoins de s'accomplir. Donc, à partir de ça, Maslow montre, Monsieur Mleck Abdelatif, merci vos contributions depuis le début du cours, restent très pertinentes. Merci, vraiment, merci. Freud, par contre, voit que l'individu réprime de nombreux et lors de son acceptation progressive de la vie en société. Nous n'allons pas encore faire un cours sur la freudienne du ça, du moi et du sur moi, mais pour faire très simple, l'individu essaye de faire ressortir des besoins qui étaient induits en lui et ça le motive, donc le besoin reste quoi? Reste le moteur qui motive l'individu à pouvoir effectuer son acte d'achat. Mais à côté de ces motivations, nous avons quoi? Nous avons des freins. Qu'est-ce qu'un frein? Un frein, c'est le contraire de la motivation. Le frein reste voilà, merci à Marketing Team, voilà Amadou Sow, voilà, merci. Voilà, c'est une nécessité, un désir, une envie, merci. Donc un état de manque pour faire simple, merci, dans lequel on est et qui nous pousse à agir. Donc M. Jules Babasek dit, si je comprends bien, un besoin, c'est un manque.
que l'on souhaite satisfaire. Et un désir, c'est un choix personnel pour satisfaire un besoin, tout simplement. En tout cas, vous, merci. C'est vous-même, Monsieur Seck, qui maîtrisez votre sujet. Merci. Donc, Monsieur Seck, vous avez parfaitement raison. Le besoin, c'est un choix spécifique qu'exprime l'individu pour pouvoir satisfaire un désir. Et on peut même aller plus loin en parlant de quoi? En parlant de préférence. Merci, Monsieur Seck. Merci. C'est pertinent. Maintenant, à côté des besoins, nous avons le contraire. À côté des motivations, excusez-moi, nous avons quoi? Nous avons le contraire. Nous avons ce qu'on appelle des freins. Le frein reste toute force, consciente ou inconsciente, poussant l'individu à ne pas commettre un acte d'achat. Il arrive qu'on veuille d'un produit, mais malheureusement, on n'a pas les moyens financiers pour les acheter, ou bien nous avons des restrictions d'ordre moral ou religieuse qui nous pousse à ne pas consommer le produit. Et pour les freins, nous avons deux types de freins. Nous avons ce qu'on appelle des inhibitions et les peurs. Une inhibition, c'est toute force liée à sa eu égard des moyens dont nous disposons à ne pas acheter. Personnellement, certaines personnes d'une certaine catégorie religieuse ne consommeraient pas tel ou tel produit à cause de leur conviction morale ou religieuse. Si je prends l'exemple du marché halal, en certains moments, beaucoup d'entreprises qui sont dans le secteur montrent que pour qu'une marge de la population en fonction de leur croyance religieuse ou morale ne pouvait pas consommer un produit parce que ce produit ne respectait pas les préceptes préétablis par une telle religion avant d'être mis sur le marché. Je donne un exemple tout simple. Je ne consomme pas de la viande de porc à cause de ma religion. Pourtant, j'en ai les moyens. C'est un frein. Ça me pousse à ne pas l'acheter. Ça me pousse à ne pas le consommer. Nous devons le déterminer. Ça a un impact important sur les ventes. Pour pouvoir répondre à cette question, la théorie halal, le marché halal, il est là. Pourquoi? Pour pouvoir maintenant faire face, contourner ces freins en mettant en place un produit qui, de la fourche à la fourchette, quand je dis de la fourche, c'est chez le cultivateur, reste sur tout le processus d'utilisation et de fabrication du produit, les préceptes préétablis par l'islam ont été respectés. Ça me permet de contourner ce frein. Donc, ce frein, c'est quoi? Ce n'est pas une peur, c'est une inhibition. Donc, l'inhibition, c'est un frein lié à quoi? C'est un frein lié à nos orientations, soit religieuses ou morales. Monsieur Moussavou, bonjour. Alors, bonsoir. Oui, monsieur, je souhaiterais savoir quelle est la différence entre un frein et un obstacle en tenant compte du contexte de la situation expliquée. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il s'agit de deux types de freins. Il s'agit des inhibitions et des peurs, n'est-ce pas? Donc, le frein ici est vu tout simplement comme un obstacle. Si on l'utilise au sens propre du terme, le frein est vu comme un obstacle, ça veut dire comme toute force, consciente ou inconsciente, nous poussant à ne pas acheter, à ne pas consommer le produit. À côté de ces inhibitions, nous avons les peurs. Je ne consomme pas tel produit à cause de mes capacités financières, à cause de mes aptitudes techniques, à cause de tout élément lié à ma performance. Ça aussi, ça peut être un frein. J'avais parlé de motivation, j'avais parlé de frein. Je vous parlerai aussi de perception.
La perception, c'est quoi? Merci, monsieur Ley, Baïsène, Gaston. Vraiment, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Monsieur Mlek Abdel Latif, très bien dit. Merci. Vos contributions aussi ont été très intéressantes, monsieur Abdel Latif. Vraiment, nous vous remercions. Nous vous remercions. J'en profite pour saluer monsieur Gay, qui est responsable du club marketing d'un institut de la place, pour ne pas faire de publicité gratuite, je ne la citerai pas, mais merci, qui nous suit aussi, qui me fait signe qu'il me suit, ainsi que tout son club marketing. Je vous dis bonjour, merci. Amina Baro, merci à vous aussi, thank you, merci. Nous, à côté de ces motivations et de ces freins, nous avons quoi? Nous avons la perception. La perception, c'est quoi? Ça part d'une image. Qu'est-ce qu'une image? C'est l'ensemble des perceptions que nous avons des éléments qui nous entourent. Donc, c'est un processus par lequel un individu choisit, organise et interprète des éléments d'information externe pour construire une image cohérente du monde qui l'entoure. Nous avons tous des images, des produits, soit que nous consommons, ou bien soit en fonction des publicités que nous voyons, ou bien même de l'avis des autres consommateurs. Mais ces perceptions que nous avons des produits influencent fortement, vous serez d'accord avec moi, le comportement d'achat des consommateurs. Mis à part ces perceptions, nous avons les croyances. Donc, les croyances, ça correspond à un élément de connaissance descriptive qu'une personne entretient à l'égard d'un objet. À côté de ces croyances, nous avons les attitudes. Qu'est-ce qu'une attitude? L'attitude résume les évaluations positives ou négatives. Monsieur Nicole Zainab Bassène, merci. Les réactions émotionnelles et les prédispositions à agir vis-à-vis d'un objet ou d'une idée. Maintenant, ces attitudes, en général, sont impactées par trois éléments essentiels que le consommateur, que le marketeur doit maîtriser. Nous avons les éléments cognitifs, nous avons les éléments affectifs et les éléments cognitifs. Les éléments cognitifs sont liés à la connaissance du produit, de la marque, de l'entreprise. Les éléments affectifs, comme son nom l'indique, Monsieur Amina Baro, ma question, monsieur le professeur, qu'en est-il de la publicité mensongère qui est une réalité pour motiver l'usager? Alors, sachez que le marketing, alors certains bien sûr ont une vision négative du marketing. Le marketing se démarque de toutes ces pratiques. L'objet ici du marketing, tout ce que nous faisons depuis le début, j'ai vu beaucoup de mes collègues passer par ce plateau. Mais tout ce que nous faisons, c'est pourquoi? C'est pour satisfaire les besoins de la clientèle tout en ayant de la rentabilité. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas seulement pour effectuer un simple échange, mais c'est pour garder ce qu'on a en relation avec la clientèle. Monsieur Baro, je vous retourne la question. Pensez-vous qu'une publicité mensongère puisse nous permettre d'entretenir une relation avec la clientèle afin d'assurer de notre activité commerciale? Je ne pense pas. Donc, la publicité mensongère peut nous permettre de vendre durant une certaine période bien déterminé, mais dans le long terme, forcément, non seulement le client aura une vision négative, mais un client satisfait en parle à 10 personnes, un client insatisfait en informera sans autre. Donc, moi, je peux te dire, pour répondre tout simplement, que dans le court terme, forcément, ça peut pousser quelqu'un à acheter, mais sachez que dans le long terme, non seulement cette personne ne va plus acheter, mais influencera beaucoup d'autres
qui auront une connaissance péjorative, une image du moins, j'ai parlé tout à l'heure de la perception, une perception péjorative de notre activité, de notre entreprise, de notre marque, et forcément, ça influencera son comportement. Je pense avoir bien répondu à votre question. Je reste à votre disponibilité pour d'amples explications. Merci, M. Amadou Sow, qui a bien répondu, qui m'a qui dit qu'une publicité mensongère peut permettre de gagner 3 clients, mais d'en perdre 10 autres. Merci. Merci. Pour revenir maintenant à ce que je disais, Madame Sidibé Tabara, je vous salue et mes respects, vraiment. Merci. Merci. Merci, M. Khalifa Diaby, qui nous apporte une contribution très pertinente. L'article 9 de la loi 83-20 du 26 janvier 1983 interdit toute publicité mensongère. Donc vous voyez, toutes les contraintes, au-delà des contraintes de fidélisation de notre clientèle, des contraintes d'ordre juridique se présentent. Donc forcément, c'est un acte que nous, marketeurs, nous nous éloignons. Merci M. Khalifa Diaby de cette contribution tant pertinente. Qu'est-ce qu'une attitude ? Disais-je, ça résume les évaluations positives ou négatives, les réactions émotionnelles et prédispositionnelles à agir vis-à-vis d'un objet ou bien d'une idée. Et je disais tantôt que ces trois éléments influencent fortement l'attitude, les éléments cognitifs, les éléments affectifs ainsi que les éléments conatifs. J'ai parlé qui recouvre ce que la personne sait sur l'objet, donc la connaissance que nous avons vis-à-vis d'un produit. L'affectif, pour se démarquer tout à l'heure de ce qu'on disait, la publicité mensongère, qui forcément impacte sur l'affectif, sur l'image affective que pourrait avoir le consommateur à notre égard. Et enfin, les éléments conatifs, qui est lié à l'expérience de consommation. Tout à l'heure, nous allons voir pour mieux l'expliciter quel est le processus du consommateur. Le vendeur, peut-être, quelqu'un qui n'a pour but que d'avoir du profit, cherchera forcément peut-être à vendre son produit, à faire acquérir le produit. Mais nous, marketeurs, qu'est-ce que nous recherchons dans un premier temps? Nous, marketeurs, peut-être que nous recherchons à analyser le sentiment post-achat du consommateur. M. Amina Barrow qui nous dit « Je suis tout à fait d'accord, mais vous avez du pain sur la planche en Occident qui n'ose même pas, mais ceux qui utilisent l'ignorance de nos populations, l'ADA, aussi sanctionnent la publicité mensongère. » Non, mais vous avez parfaitement raison. Donc, il y a tellement de restrictions. Mais moi, je vous dirais, au-delà de ces restrictions d'ordre juridique, nous devons nous départir de ces actes qui restent d'actualité. Il faut l'accepter de ces actes qui, non seulement, nous font perdre de la clientèle, mais forcément influencent l'image, la perception qu'auront les consommateurs à notre égard. Enfin, nous allons parler de quoi ? Nous allons parler de la personnalité de l'individu. Forcément, vous me direz que la personnalité, dans beaucoup de domaines d'activité, influence le comportement d'achat du consommateur. La personnalité qui n'est rien d'autre qu'un ensemble de caractéristiques psychologiques distinctives qui engendre un mode de réponse stable et cohérente à l'envie, à l'environnement. N'est-ce pas ? Alors, nous allons terminer par le style de vie. En fonction, bien sûr, des zones d'habitation, en fonction des caractéristiques des individus, les styles de vie peuvent différer. Et forcément, les styles de vie doivent être pris en compte dans l'analyse de notre marché, de notre clientèle, de notre demande, du moment où ça influence, c'est des facteurs intrinsèques, ça veut dire qui différencient d'une personne à une autre et qui influencent ce comportement d'achat du consommateur. Le style de vie qui peut tout simplement être défini comme un système de repérage d'un individu à partir de ses activités, de ses centres d'intérêt, mais aussi de ses opinions. Vous me direz, M. Gueye,
Mais, et les ressources personnelles? Moi, je n'ai pas les mêmes ressources personnelles que Michel Sec. Ben oui, je vous dirai oui. Les ressources personnelles restent l'un des leviers essentiels qui différencie les individus des uns des autres. Pourquoi, aujourd'hui, quand on doit pénétrer au marché, on essaye de voir quels sont les indicateurs sur le plan économique qui diffèrent les individus? Quels sont les indicateurs qui peuvent nous permettre d'avoir des informations sur le pouvoir d'achat des individus? Donc, ce sont des éléments qui fortement influencent le comportement des consommateurs et des éléments qui sont intrinsèques. Donc, la position économique d'un individu détermine si une personne est en mesure d'acheter ou non. Cette d'abord déterminant en fonction de son revenu, le niveau de régularité. Est-ce qu'il gagne régulièrement en salaire? En fonction de son patrimoine. Mais aussi en fonction de sa capacité d'endettement, surtout ceux qui sont dans le domaine du service. Donc c'est un ensemble d'éléments qui influencent ce comportement. Amina Baro, merci de votre disponibilité. Mais je suis une dame. Ah, je m'excuse, Madame Barrault. Je m'excuse encore. Seulement, voilà. Merci. Je m'excuse. Mame Diara Diouf. Merci, notre professeur. Merci, Mame Diara. Alors, nous avons fini de parler des facteurs individuels qui influencent le comportement d'achat du consommateur. Nous allons entrer dans un autre élément très intéressant. Qui porte sur quoi? Qui porte sur les facteurs environnementaux. Qu'est-ce qu'un facteur environnemental, vous me direz? L'environnement, c'est quoi? C'est tout ce qui entoure le consommateur et qui a une influence directe ou indirecte, positive ou négative, sur ce dernier. Pour faire simple, l'individu le subit. L'individu subit son environnement. Donc, en tant que marketeur, en tant que vendeur, en tant que serviteur de ce client, de ce consommateur, il serait important de prendre en compte ces éléments environnementaux. Le premier élément environnemental que nous verrons reste les groupes de référence. Oui, monsieur. Makaho Moussavou, merci. Donc ça reste interdit. Voilà, ça reste interdit par la loi. J'ai pas lu le reste du message. Merci. Ça reste interdit par la loi. Merci. Donc reste les groupes de référence. Donc les groupes de référence, c'est des groupes actuels ou imaginaires qui influencent l'évaluation, l'aspiration et le comportement d'un individu. Nous avons deux types de groupes qui influencent nos comportements. Les groupes primaires, la famille, les voisins, les amis, les collègues de travail, qui, que nous le sachions ou pas, nous influencent directement. Convenez avec moi que même en fonction des zones géographiques, nos comportements diffèrent. Notre alimentation, pour prendre une illustration très simple, et c'est influencé par quoi? C'est influencé par ces différents groupes de référence. Donc, nous nous référençons en groupe, nous essayons de pouvoir nous mouvoir dans un groupe bien déterminé, nous essayons de pouvoir nous identifier dans ce groupe. Donc, j'ai parlé des groupes primaires, nous allons aussi parler des groupes secondaires, les associations, les clubs, etc. Il est important de savoir que les groupes de référence influencent à trois niveaux. D'abord, il propose à l'individu des modèles de vie. Ça veut dire qu'il nous impose un modèle de vie bien déterminé. Merci, Mme Marie Diouf. Mme Diara Diouf, excusez-moi. Ensuite, les groupes de référence influencent les consommateurs sur l'image qu'ils se font d'eux-mêmes. Et enfin, ils engendrent des pressions en faveur d'une certaine conformité de comportement. Nous essayons de nous conformer à un groupe bien déterminé. Je disais tantôt, lors d'une discussion, que ceux qui habitent dans une zone géographique
peuvent avoir moins de contraintes dans leur comportement de consommation que ceux qui habitent dans une autre zone. On peut prendre l'exemple des citadins qui peuvent avoir plus de pression en termes des éléments externes que quelqu'un peut-être qui n'habite pas certaines zones citadines. N'est-ce pas? Alors, nous avons parlé des groupes de référence. En deuxième lieu, nous allons parler de quoi? Nous allons parler des facteurs socioculturels. Avant tout, tout individu a une culture. Dès le jour de sa naissance, l'homme apprend ses modes de comportement. N'est-ce pas? Et en général, ça lui est transmis, donc il le subit, mais fortement, ça influence son comportement. Qu'il le sache ou non. Donc nous, en tant que marketeurs, il est important de prendre en compte ces facteurs socioculturels pour essayer d'adapter notre offre en fonction de l'environnement socioculturel dans lequel est le consommateur. Mis à part cette culture, toujours sur les facteurs socioculturels, nous avons ce qu'on appelle les classes sociales. Ce sont des groupes homogènes, ensemble, et ordonnés par rapport les uns aux autres, n'est-ce pas? En général, la classe sociale est identifiée de par la profession, le revenu, le patrimoine, etc., etc. Et enfin, nous avons quoi? Nous avons les facteurs de situation. Il arrive qu'on soit dans une situation et que cette situation influence notre comportement d'achat. En général, le marketing utilise nos cinq sens. J'ai oui, vu, tous nos sens sont touchés par le marketing pour pouvoir nous influencer. Dernièrement, on a montré une émission dans ce sens où des enseignes utilisaient ce qu'on appelle le marketing olfactif pour pouvoir influencer les consommateurs. Donc, une senteur qui influence le consommateur afin de pouvoir accroître notre chiffre d'affaires de certains produits. Donc, tous nos sens sont utilisés dans ce sens du moment où ça influence notre comportement dans une situation bien déterminée. L'autre élément qui influence au niveau des facteurs de situation, au moment de l'achat, la fatigue, le stress, la faim, etc., sont des éléments qui fortement nous influencent. Et enfin, nous avons les perspectives temporelles, le temps, le moment de la journée, le temps d'attente, etc., etc. On pourrait parler des activités, du travail, des loisirs, etc. Donc, nous avons clos cette première partie qui portait sur quoi? Qui portait sur les facteurs individuels et environnementaux qui influencent le comportement d'achat du consommateur. En deuxième partie, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de décision du consommateur. Le processus de décision, c'est quoi? C'est quelles sont les étapes par lesquelles passe un consommateur pour d'abord s'apercevoir de son besoin d'acheter. On a parlé tout à l'heure de besoin. Jusqu'à son sentiment après l'achat. Le consommateur passe par les étapes et il est important que nous tous, que nous soyons au courant de ces éléments du moment où ça, nous aurions la latitude, la possibilité de pouvoir l'influencer dans ce processus. La première étape reste
la reconnaissance du problème ou du besoin. On a dit tout à l'heure que le besoin, c'est un état de manque ressenti par une personne nécessitant une réponse et le poussant à agir. Donc, tout achat passe par un besoin. Donc, avant d'effectuer l'acte d'achat, l'individu reconnaît son état de manque, reconnaît son problème et essaye de le satisfaire. Cette étape passée, le consommateur va rechercher les informations. Deuxième partie de la recherche d'informations. L'individu peut rechercher l'information dans son environnement proche. L'individu peut faire des recherches publiques comme la recherche commerciale. Donc, pour rechercher l'information, nous pouvons le rechercher auprès de nos amis, de nos voisins, de nos parents qui sont très proches. Il s'agit de quoi? Il s'agit des liens personnels, des sources personnelles. On peut rechercher l'information de par des sources commerciales, la publicité, l'Internet, etc. On peut rechercher l'information de par des sources publiques. Aujourd'hui, on a beaucoup de forums émis par des associations consuméristes de par leur expérience d'achat. Donc, il faut éviter la publicité mensongère dans la mesure où, quand on recherchera l'information, forcément, on nous dira que non, attention, ce produit n'est pas conforme avec la publicité. Nous pouvons aussi rechercher l'information, j'ai parlé des sources publicitaires, mais aussi en fonction de notre expérience, n'est-ce pas? En fonction de notre expérience, l'individu peut rechercher l'information. Maintenant, après avoir recherché les informations, l'individu va peser, le consommateur du moins, va peser ses attentes en fonction des performances émises par les entreprises, d'où l'évaluation des alternatives. On va essayer de jauger les alternatives qui se présentent en nous, du moment où nous avons des concurrents, nous avons des produits de substitution, ça veut dire des produits qui satisfont les mêmes types les produits qui techniquement sont différents des nôtres, mais peuvent satisfaire au même type de besoins. Et nous avons des concurrents indirects. Donc, toutes ces alternatives qui se présentent devant l'individu, après avoir recherché l'information, l'individu va essayer de les évaluer. Cette évaluation d'informations ressortira, l'individu va, le consommateur, maintenant, en fonction de ses attentes, en fonction des alternatives qui se présentent devant lui. Et enfin, nous avons quoi? Nous avons le sentiment post-achat. Je le disais tantôt, vendeur, quelqu'un qui n'est intéressé que par le profit. Le processus d'achat du consommateur peut s'arrêter à la décision d'achat. Dès qu'il décide d'arrêter, c'est bon. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est quel est le sentiment qu'a le consommateur après son achat? Se trouve-t-il dans ces trois situations? Est-ce que notre performance a été égale à ses attentes? Dans ce cas, on a atteint ce qu'on appelle le seuil de satisfaction. Est-ce que notre performance a été au-delà de ses attentes? Dans ce cas, on n'a pas été performant, le consommateur. Est-ce que notre performance a été même au-delà de ses attentes? Là, il est ébloui, il est plus que satisfait. Mais il est important de pouvoir déterminer ce sentiment post-achat du moment où ça pourrait influencer la deuxième partie du processus
d'achat, ça veut dire la recherche d'informations, surtout si l'individu s'oriente sur les sources du moins liées à son expérience d'achat du consommateur. Déjà, nous avons la reconnaissance du problème, la recherche d'informations, l'évaluation des alternatives, la vision d'achat et enfin le sentiment post-achat, qui reste l'une des parties peut-être négligées, mais l'une des parties les plus importantes dans la relation que nous pouvons avoir avec la clientèle, surtout pour pouvoir fidéliser cette dernière. Nous allons parler maintenant des différents rôles dans le processus de décision. Le premier rôle que nous avons, c'est l'inspirateur. Monsieur Moussavou, merci. L'inspirateur, c'est celui qui a été à l'origine de l'achat du produit. Parfois, un leader d'opinion peut être un inspirateur. On peut être inspiré par quelqu'un qui a une forte influence sur nous, comme un leader d'opinion. Nous avons quoi? Nous avons le prescripteur et le conseiller. Qu'est-ce qu'un prescripteur? Qu'est-ce qu'un conseiller? Un prescripteur recommande, ordonne. À l'instar du médecin, à l'instar de l'architecte, le prescripteur reste cette entité qui nous conseille, mais de caractère officiel. Ça veut dire qu'on est tenu de le suivre. On est tenu de suivre les recommandations ou bien l'ordonnance du médecin, peut-être de l'architecte. Le conseil a toujours une influence sur nous, mais le conseil ne fait que guider l'acheteur. Ça peut être un ami, ça peut être un parent. Donc, différence entre prescripteur et conseiller, c'est que le prescripteur nous prescrit, nous ordonne. On est obligé de le suivre, son conseil a un caractère officiel. Le conseiller nous oriente, bien sûr, mais son orientation a un caractère officieux. On n'est pas tenu de le suivre. Nous avons quoi? Nous avons l'initiateur. L'initiateur, c'est celui qui, pour la première fois, suggère d'acheter le produit. Il est intéressant de pouvoir le déterminer du moment où il pourrait influencer et permettre à d'autres de suivre son expérience d'achat. Nous avons ensuite le décideur. J'ai l'habitude de dire que le décideur, c'est celui qui décide du QQOQCP du produit. Qui achète, quand acheter, comment consommer, quand consommer, pourquoi. Dans la mesure où il a une forte influence sur le consommateur, il est important de pouvoir le déterminer, de pouvoir le distinguer, mais aussi, pourquoi pas, l'influencer en notre faveur du moment où il a le pouvoir de décision. Et enfin, nous avons l'utilisateur. L'utilisateur, c'est celui qui consomme ou un papa qui amène son fils à l'école ne va pas consommer le produit de cette école. Mais il pourrait toujours avoir son mot à dire sur l'établissement choisi, sur la filière à choisir, ou bien sur d'autres éléments qui entrent en compte dans la consommation de ce produit. Donc, il est important pour tout marketeur de déterminer ces différents acteurs du moment où tous ces acteurs ont une influence sur le consommateur. Encore une fois, je vous rappelle, c'est M. Ibrahim Aguey, professeur de marketing, communication, et nous sommes en train, pour ceux qui viennent de nous joindre, de parler du thème portant sur le comportement d'achat des consommateurs. Nous avons défini le comportement d'achat des consommateurs, nous avons déterminé son importance et nous avons déterminé les éléments individuels ainsi que liés à son environnement et qui influencent fortement le comportement d'achat du consommateur. À part ça,
Nous avons ensemble vu quels sont les acteurs d'une consommation. Ça veut dire quels sont les acteurs qui peuvent influencer une consommation. Alors, vous allez me dire, M. Gueye, et pour l'influenceur, oui. L'influenceur, c'est toute personne qui directement ou indirectement a un impact sur la décision. Je parlais tout à l'heure du B2C. Nous allons rapidement effleurer le monde du B2B du moment où on peut avoir des différences entre le B2B et le B2C. Pour ceux qui viennent de nous joindre, le B2B, c'est toute relation commerciale entre deux entreprises ou deux organisations, en tout cas toute entité morale. Business to business. Donc, s'il s'agit d'une relation commerciale entre deux entreprises, ces éléments peuvent se différencier. Il y a ce qu'on appelle le central d'achat. C'est le central d'achat qui participe au processus d'achat dans les entreprises. Ce sont des intervenants, par contre, qui peuvent, selon les entreprises, selon la nature du produit, selon la nature de la consommation du produit. Dans ce central d'achat, nous avons quoi? Nous avons l'initiateur. L'initiateur, en général, il s'agit de celui qui utilise le produit. Un mécanicien qui est dans un garage, je parle en fonction. Michel Abo Madiana, je vous salue. Un mécanicien qui est dans un garage peut se dire, moi j'ai besoin de tel produit. Donc l'achat est parti de cet initiateur-là. Nous avons l'utilisateur qui des fois peut être différent de l'initiateur. En général, dans les entreprises, c'est l'utilisateur en général qui définit le cahier de charge. Ça veut dire l'ensemble des obligations liées aux caractéristiques du produit auxquelles le fournisseur, le client, devra se conformer pour une très bonne consommation du produit. Nous avons quoi? Nous avons l'influenceur. L'influenceur, c'est toute personne qui directement ou indirectement influence le produit. Nous avons le décideur, c'est celui qui a le pouvoir de décision effectif sur le choix des fournisseurs. En général, l'acheteur dans les entreprises est différent du décideur. Du moment où le décideur est l'autorité hiérarchique qui doit avaliser une commande en fonction, bien sûr, des cahiers de charges préétablis sur le choix des entreprises. Nous avons l'acheteur maintenant. En général, c'est celui qui a la responsabilité formelle de la négociation des conditions. Et il intervient surtout dans la sélection des entreprises, ça veut dire dans la sélection tout simplement des fournisseurs. On peut avoir une autorité suprême, par exemple le directeur général ou le chef de département que nous appellerons dans notre centrale d'achat l'approbateur. L'approbateur, c'est celui qui donne son accord sur une recommandation d'achat. Nous avons le relais. Le relais, il peut s'agir de quelqu'un qui est dans le service achat et qui détermine, qui influence du moins sur le choix d'un fournisseur ou bien d'un autre. Donc, vous voyez qu'il y a une petite différence sur le processus d'achat ou sur les intervenants d'achat en B2B et en B2C. Nous allons clore cette émission. Malheureusement, nous allons nous quitter avec ce dernier point qui porte sur quoi? Qui porte sur les étapes du processus d'achat en B2B. Comme en B2C, la première étape du processus d'achat reste la reconnaissance du problème.
On a vu tout à l'heure que parmi les intervenants dans le processus d'achat B2B, nous avons toujours l'initiateur, qui en général est l'utilisateur du produit. Donc, dans certains cas, on peut avoir l'utilisateur qui reste l'utilisateur qui reste l'initiateur. Donc, il s'aperçoit qu'il y a un manque à qu'il y a un gap à combler, un manque à combler. La deuxième étape reste la description des caractéristiques générales du produit nécessaire. En fonction de la demande, en fonction du besoin exprimé par un service bien déterminé, il va falloir déterminer des caractéristiques du produit. Déterminer la spécification du produit en troisième lien. Et enfin, que fait l'acheteur? L'acheteur recherche les fournisseurs, les sélectionne en fonction des critères préétablis. Ça peut être la notoriété du fournisseur, ça peut être l'expérience avec l'entreprise, ça peut être l'offre de ce fournisseur. En tout cas, plusieurs caractéristiques sont prises en compte dans le choix d'un fournisseur. La transition, elle est toute trouvée pour la sixième étape, qui reste le choix d'un ou de plusieurs fournisseurs. Si ces éléments sont déterminés, il va falloir déterminer un choix de la procédure de commande. Comment on va procéder pour réceptionner la commande, pour vérifier l'exactitude entre le bon de commande et les produits commandés, etc. Donc, cette étape demande beaucoup de vigilance. Et enfin, nous avons le suivi et l'évaluation des résultats qui reste l'une des étapes les plus importantes. Tellement négligée, mais l'une des étapes les plus importantes. Souvenons-nous que, après avoir déterminé le problème, on avait décrit les caractéristiques générales, peut-être via un cahier de charge. Est-ce que les produits réceptionnés sont conformes au cahier de charge? Il est important de pouvoir les déterminer dans cette étape. Ceci met fin, chers amis, à cette présente émission. Je vous remercie vivement de votre attention. Bien sûr, le comportement d'achat des consommateurs reste un thème très élargi, reste un thème très complexe. Donc, je reste conscient que je n'ai pas pu peut-être prendre en compte tous les éléments relatifs au comportement d'achat du consommateur. Par contre, je reste toujours à votre disponibilité pour d'amples informations. Mon numéro, c'est le 77 94. Je le note sur l'écritel. Monsieur Gueye, présentateur. Trois cent neuf zéro un quatre-vingt-quatorze. Pour pouvoir débattre sur tous les thèmes relatifs à la communication. Je vous remercie vivement de vos contributions qui ont été très déterminantes. J'ai bien apprécié les contributions des juristes. Voilà, Monsieur Khalifa Diaby, merci. Madame Tabara Sidibé, vraiment mes hommages. Je vous remercie tous. Je remercie Monsieur Lai Bambasek qui m'a donné l'opportunité de me présenter devant vous, chers amoureux du Marketing TV. Je vous donne rendez-vous pour bientôt et vous remercie encore de votre présence. Merci et à la prochaine.